Entre Amman et Umm Qais se trouve un important camp de Jordaniens d'origine palestinienne. Réfugiés là avec leur tante en 1967 après la guerre avec Israël, ils ont obtenu la nationalité jordanienne et forment une communauté soudée. Ce beau paysage roux, c'est la route de Damas, celle de la Bible et de Saint Paul. Un affluent du Jourdain traverse cette vallée, mince filet d'eau alimentant une végétation clairsemée. Selon la Genèse, Jacob combattit l'ange de Dieu à cet endroit. L'université et l'hôpital de Ramta. Située au nord du pays, Umm Qais est construite à l'emplacement de l'ancienne ville de Gadara. Probablement créée par les Grecs vers 400 avant Jésus-Christ, Gadara fut conquise par le Séleucide Antiochus III vers 218 avant Jésus-Christ et devint alors Antioche Séleucide. En 63 avant Jésus-Christ, les Romains de Pompée l'incorporèrent dans la Décapole, où elle acquit prospérité et indépendance relative, notamment sous Hérode. À l'ère byzantine vint le déclin économique aggravé par plusieurs tremblements de terre qui détruisirent nombre de bâtiments. Elle n'était plus guère qu'un village quand au Moyen-Âge, avec la conquête ottomane, Gadara devint Umm Qais. Après avoir traversé une partie du village ottoman, on longe une allée qui traverse l'ancienne nécropole romaine et mène à un minuscule théâtre de basalte noir. C'est le théâtre de l'Ouest. Des boutiques, en partie restaurées, bordaient la chaussée pavée de basalte noir, et les vestiges d'une basilique byzantine dominent l'ensemble du haut de leurs colonnes. Au bout du chemin, la voie continue vers la gauche et s'enfonce dans la colline. En face se trouve un magnifique point de vue sur le lac de Tibériade, les hauteurs du Golan, la vallée du Jourdain. Le lac de Tibériade au fond. Et la vallée du Jourdain. À droite du carrefour s'ouvre l'artère principale, le Decumanus, où se regroupent les principaux monuments.
en haut de quelques marches, la basilique byzantine qui date du VIe siècle. Son plan est simple. Un atrium entouré de colonnes de marbre blanc au chapiteau corinthien. Au fond, le chœur octogonal dont les colonnes sont en basalte noir. Au-dessus, le village ottoman déserté maintenant. Cœur de la basilique, les sols étaient recouverts de carrelage aux motifs variés. Au-delà de la basilique, au bout de ce petit chemin, se trouve l'entrée du petit théâtre ouest qui surplombait les boutiques. Le printemps anormalement chaud et précoce cette année a développé un décor harmonieux de fleurs dans la rocaille. Ce tout petit théâtre n'a que trois rangs de gradins. Avec quelques très beaux sièges d'honneur taillés chacun dans un seul bloc de basalte. Le paysage en face était également remarquable. Quelques images prises depuis la Seine. D'ici, on pouvait amener de l'eau éventuellement. Au-dessus du théâtre, la cité ottomane vidée de ses habitants expulsés. On voit la grande voie romaine qui court loin dans la colline. Et Israël, dont la frontière est toute proche. Dans le village fantôme, en noir et blanc, semé de broussailles et de fleurs sauvages, quelques habitations de service donnent un semblant de vie. Une grande maison, entièrement restaurée, abrite un petit musée tranquille et élégant qui regroupe pierres sculptées, sarcophages et mosaïques découverts sur le site.
une lourde porte de pierre avec ses gonds d'origine et son butoir. Peut-être pour qu'on ne la claque pas à la volée. Dans la galerie, les mosaïques d'Umkais sont des photos. Un petit oratoire de basalte vidé de son dieu. Et dans un coin, caché, quelques portes de pierre sculptées, brisées par le temps.